Bonnes et heureuses années, on garde le contact. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Il y a deux côtés, tu vois ça là. Si tu as remarqué, ça ils ont mis ça comme ça. Ça en note déjà. Tu sais les Africains, ils font rien pour rien. Ils font rien pour rien, moi je vous le dis. Restez toujours branchés sur l'émission On garde le contact RTI2. On parle un peu d'Afro-Optimisme. C'est une plateforme pour de libre expression. Cette émission est une université africaine avec des programmes scolaires adaptés à l'Afrique. L'équipe, bonjour à vous téléspectateurs. L'émission était précédemment diffusée à 8h et suite à un certain nombre de résultats de sondage, nous avons, avec l'autorisation de la direction générale, estimé qu'il était préférable de la surexposer, donc de la mettre dans une tranche plus favorable. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine. On garde le contact. Le contact s'est bonifié. Vous voyez l'interactivité avec les téléspectateurs. On garde le contact. Merci. Bienvenue sur RTI2, madame, messieurs. Le 22 42 54 sera ouvert comme d'habitude. Et aussi, vous aurez l'occasion de nous joindre sur Internet à travers notre page officielle, l'émission TV. On garde le contact. L'adresse, vous la connaissez. Patrick vous la donne tout le temps. www.facebook.com/on garde le contact. J'appelle de Burkina. Oui. Voilà, c'est pour participer à l'émission. Vous y êtes. L'interactivité qui caractérise cette émission et également l'émission d'appel qu'elle constitue dans notre vie permet donc au public d'avoir un talk show assez dynamique, assez fourni et diversifié en termes de thèmes. Alors hier, nous étions sur le sujet concernant l'immigration clandestine. Il y a encore du nouveau dans l'affaire. Aujourd'hui, on voit le record que ça bat. Je crois fermement que notre communauté va s'agrandir pour atteindre les 4000 membres. Vous demanderez à tous les téléspectateurs, on garde le contact. Ils vous diront, ils savent ce que c'est, qui la présente et quels sont les thèmes. Lundi, mardi, ça se fait sur un plateau où on parle du développement de l'Afrique. L'émission parle de la culture. Ça parle des artistes, des actualités d'artistes. Il suffit qu'il y ait une réunion tripartite entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Ils mettent en place un comité interministériel. Je voudrais dire merci à Guy Defer. Je pense qu'il a apporté sa contribution à la critique de l'art. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, mais son radicalisme n'est pas juste. Il faut arriver à maintenir les invités, les consultants qu'on a. Et aujourd'hui, le téléspectateur apprécie bien ses consultants. Les moyens arrivent un peu à peu. Moi, je pense que vous avez vu que le studio est en réflexion. Ça veut dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Suivez avec moi. Donc, tout de suite, vous allez voir le mouvement qui va nous emmener tout de suite vers notre commune d'Adjamé et d'Abobo. Ça va venir dans quelques instants. Voilà. On y va. Vous suivez. Voilà. En même temps, voilà. Nous sommes précisément à Abidjan. Nulle part ailleurs. On garde le contact. Le contact est maintenu sur RTI2. On garde le contact. Notre signature, vous la connaissez. Dans la vie, si vous avez tout et que c'est la route que vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même.